One man at a time. C'est bien fait. Il récupère et il cherche une ouverture. Oh, quel fantastique! Le Brésil! Une de haute avantage. Regardons le ralenti. La reprise de volée. Il garde la balle en défense. Bonne circulation du ballon. Il dribble son adversaire. La balle sort en touche. La foule a visiblement apprécié sa performance. Bonne circulation du ballon. Oh, il s'est carrément fait cocher. Et deuxième côté. Voilà. L'action a été super. Le score est de 3-0. Le Brésil mène de 3 buts. Et revoilà les images au ralenti. Une passe en retrait. 5 minutes avant la fin de cette première mi-temps. Le ballon circule bien. Il joue court. C'est bien fait. Il dribble son adversaire. Il réussit à centrer. Le ballon est passé. Il remet au centre. L'arbitre siffle la fin de la première période. Le public a été relativement calme jusqu'à présent, mais il vient de se... Nous sommes prêts pour le coup d'envoi de la deuxième période. C'est bien fait. La balle sort en touche. Il ne laisse personne toucher le ballon. Il décide de centrer. Voyons cette action au ralenti. Quelle occasion manquée! C'est une sortie de but. Attention au centre. Bonne circulation du ballon. La défense est bien présente.
passe millimétrée. Oh, il lui chute la balle. Jolie combinaison. Et une passe au gardien. Oh, une tente au tir. Exactement en corner. A-t-il le jeu direct? Le ballon circule bien. Il dribble son adversaire. C'est une sortie de but. Il y a un changement. C'est bien fait. Sur la droite, c'est bien fait. Il ne se laisse pas faire. La balle est déroulée. Il réussit à centrer. Le ballon circule bien. Bien défendu. Une passe en retrait. Ils obtiennent un corner. Ils obtiennent un corner. Ils sont bien trop forts. Ils contrôlent de la tête. C'est bien fait. C'est incontestable. Sortie de but. Oh non! Le portier sort bien. L'arbitre aussi. Ainsi s'achève cette rencontre. Le Brésil se qualifie pour les... Abdul Hussein.
début de cette rencontre. Sur la droite de votre écran, la Hollande. Sur la gauche de votre écran, le Brésil. Oh, il intercepte la passe. Ils obtiennent un corner. C'est une occasion dangereuse. Il a raté une occasion de but toute faite. Oh, il lui chute la balle. Regardons le ralenti. Oui, frappe. Un quart d'heure de jeu écoulé. Oh, c'est musclé. Oh, il lui chute la balle. Balle en cloche. Ils tirent. Ils obtiennent un corner. Ah, je crois qu'ils en font un peu trop, non? C'est vrai, notre défenseur a bien senti le coup de mieux. C'est bien fait. Il utilise parfaitement son corps. Il décide de centrer. Sortie de but. Oh, il s'en sortait bien sur ce coup. C'est une sortie de but. Trop fort, c'est raté. C'est une sortie de but. La balle sort en corner. Va-t-il le jeu direct? Ils obtiennent un corner. Va-t-il le jeu direct? Une passe en retrait. C'était pas loin. Attention au centre. Oh, il lui chute la balle. Oh, il intercepte la passe. Le ballon est passé. Oh, la passe est interceptée. Bonne circulation du ballon. Il y a de l'espace à gauche. Sortie de but. Quel dommage qu'il n'ait pas réussi à concrétiser cette occasion, n'est-ce pas, Thierry? Oh oui, ce genre d'occasion de but ne se reproduit pas si souvent à ce niveau. Un remplaçant se chauffe sur la ligne de touche. Oh, c'est carrément fait faucher. Coup franc. La...
non. C'est une sortie de but. C'est une faute incontestable. Il bénéficie d'un coup franc. Les spectateurs sont au bord de leur siège. Un des meilleurs spécialistes du coup franc s'apprête à tirer. Qu'est-ce que vous en pensez, Thierry? C'est difficile à dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'il possède une excellente frappe. Il dégage son équipe. Bonne circulation du ballon. Belle balle en cloche. Au même en déséquilibre, il place son tir. Bon dégagement. Leur avantage. Regardons le ralenti. Il la reprend. Il dribble son adversaire. Il tire. Et c'est la fin de la première mi-temps. Les remplaçants s'échauffent sur le terrain, ce qui signifie peut-être un changement. Voici le coup de sifflet signifiant le début de la deuxième mi-temps. Remet au centre. Oh, la passe est interceptée. Il joue court. Oui, belle défense. Une passe millimétrée. Oui, c'est joli. Il s'en prend bien. Un but absolument incroyable. Le score est de 3-0. Le Brésil mène au score. Regardons le ralenti. Oh, superbe. Attention au centre. Thank you.
Oh, il lui chute le ballon. Sorti de but. Il a raté une occasion de but toute faite. Il centre. Dans la tête. Oh, il marque. Spectaculaire. Le score est de 4-0. Le Brésil est loin devant. Regardons le ralenti. Il réussit à centrer. La balle. Une passe millimétrée. Le ballon est passé. Bonne circulation du ballon. Oh, la balle est passée. But. Oh, magnifique. Le score est de 5-0. Le Brésil est loin devant. Revoyons cette action au ralenti. Il nous reste 10 minutes à jouer. Oh, c'est bien vu. Le temps réglementaire est pratiquement écoulé. Oh, il s'est carrément fait faucher. Il bénéficie d'un coup franc. Passe millimétrée. Corner. Oh, il s'en sort bien sur ce coup. L'arbitre aussi. Ainsi s'achève cette rencontre. Le Brésil récolte une victoire historique. Cette
Laquelle de ces deux équipes s'achemine la gloire et la victoire? Thierry, parle-nous un peu des systèmes de jeu adoptés par... Spectaculaire. Le Brésil. Et ils ouvrent le score alors que le match vient à peine de débuter. Regardons le ralenti. Le ballon est passé. Bonne circulation du ballon. La défense est bien présente. Deuxième côté. Bien défendu. Coup franc. Le gardien occupe ses troupes et place sa défense. C'est une touche. Belle anticipation. Bonne circulation du ballon. Le gardien retourne la frappe. Ils n'arrivent pas à conclure leurs attaques. Augmenter leur avantage. Et nous allons revoir ça au ralenti. Il tire au but. Il dribble son adversaire. Une passe en retrait. Il contrôle de la tête. Il dribble son adversaire. Regardons le ralenti. La balle se retouche. Le ballon circule bien. On s'est bien vu. Il décide de centrer. Thank you.
dégage de la tête. Il joue court. La balle se retouche. Ils effectuent un changement. Qu'est-ce que vous en pensez, Thierry ? Regardons le ralenti. Qui est à la réception ? En retrait. Il dribble son adversaire. Il dévie la tête. Sortie de but. Ah, il manquait juste un petit quelque chose, Thierry. C'est bien fait. C'est bien fait. Oh, il s'est carrément fait pocher. Évidemment, il en rajoute pas mal, n'est-ce pas Thierry ? C'est vrai, voilà un joueur qui va pouvoir commencer une belle carrière d'acteur. Oui, une reconversion toute trouvée. Coup franc. On sait bien jouer la 1-2. L'arbitre siffle la fin de la première période. Le public a été relativement calme jusqu'à présent, mais il vient de... Nous sommes prêts pour le coup d'envoi de la deuxième période. Il faut revenir. Bonne circulation du ballon. Bonne circulation du ballon. Le ballon circule bien. Deuxième poteau. Il tire. Sortie de but. Pousse trop fort, c'est raté. Préfère attendre. C'est une faute incontestable. Il bénéficie d'un coup franc.
frappé. Il dégage son équipe. Précision. Oh, il lui chute la balle. Une, deux. Dans les mains du gardien. Il bénéficie d'un coup franc. C'est une occasion dangereuse. Il dégage de la tête. Et la passe est interceptée. Une, deux. Une, deux. Quelle précision. C'est joli. Il utilise parfaitement son corps. Heureusement que le tir était mou. Il réussit à centrer. Long dégagement. C'est bien présent. Oh, il tente de tir. Et ça se passe du gardien. Il est passé. Premier poteau. Le sifflet devrait retentir d'un instant à l'autre. Bon jeu de la tête. Sur la cloche. Sortie de but. Est-ce une tentative de tir ou de lob sur le but? Je ne sais pas très bien. Qu'en pensez-vous, Thierry? Je crois qu'il a tenté le lob, mais c'était bien trop fort. C'est une sortie de but. On vient l'essayer. C'est une sortie de but. Le coup de sifflet a retenti, c'est ainsi que se termine ce match fantastique. Le Brésil domine désormais. Qu'avez-vous